Attends, samedi j'étais chez ma mère. Mais t'es chiffré. Se fait-il que ton visage débrouille son téléphone? Non, j'ai juste mis sur son visage, c'est pas, le, c'est pas comme ça. Il y a un truc, là. J'ai l'impression que tu as augmenté ton visage sur son visage. Ah, c'est là. C'est pas toi ici. C'est lui comment? Laisse ça vite. Regarde, faut pas m'énerver. Essaye encore de toucher ça. Mon gars, y'a rien, y'a rien entre ta gueule et moi. Je me suis pas. Ok, ok. Je me suis pas. Là, ça va. C'est mon ami, on peut discuter de tout et de rien. Mm-hmm. Tu veux qu'il regarde toi? Y'a tes conversations dedans. Oh, laisse. Y'a tes conversations dedans. Laisse ton téléphone. Oh, ok, laisse. Ok. Yo la team, avant de continuer cette vidéo, je vous invite à télécharger l'application 1xbet dans la description. Utilisez le meilleur code promo JOSBY96, les gars. Obtiens 200% de bénéfice. Ta première mise à dédicace, gars. Ça veut dire que si tu mets 100 colos, tu obtiens 300 colos. Rien que pour tes paris, c'est le thème, mon gars. Paris, obtiens des milliers. Ok, chocoma pas un peu, gars. On est au Cameroun et le Cameroun, c'est un bang, mola. We are together. Allez, lâche un pouce bleu. C'est pour nous encourager. Lâche, merci. C'est gratuit. What's up, la famille? C'est encore moi, Joss. Bienvenue sur la chaîne Getten B, les gars. Vous savez, c'est 4 actions. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages. Alors aujourd'hui, je suis avec une jeune, jolie demoiselle, une connaissance à moi. Elle s'appelle Audrey. Audrey, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ah, si tu vas bien, je vais bien. D'accord? Oui. Ça fait quand même une belle lurette, là. Ouais, quand même. Ouais, paraît que tu as un souci et tu aurais aimé nous en parler. Il y a quoi? En fait, depuis un certain temps, je me rends compte que mon gars, il me trompe, tu vois. Tu fais comment pour savoir qu'il te trompe? Je sais, tu sais, on a ces instincts de femme là. Ouais. Tu vois, tu restes avec ton mec comme ça, tu sais que ça ne va pas. Ouais. Tu sais que ça ne va pas, mais tu prends sur toi. Ouais. Mais aujourd'hui, là, comme je sais que tu fais dans les tests de fidélité, je veux que tu pièges mon mec. Oh là là. On doit à tout prix savoir ce qui me cache. Toi que tu engages là, Audrey, on se connaît. Tu vois comment ça se termine souvent dans les vidéos. Oh, je veux pas savoir comment ça se termine ou quoi que ce soit. Je veux juste qu'on piège mon mec aujourd'hui. Tu veux le piéger. Tu sais déjà qu'il te trompe, non? Oui, mais je veux... En fait, même s'il me trompe, tu vois, je veux savoir, je veux avoir des preuves. Tu sais, quand tu n'attrapes pas quelqu'un dans l'action, tu vois, oui. il peut pas accepter. D'accord. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il te trompe? Et là, ces petites manies-là, on ne parle plus comme avant, ils ne sont plus comme avant. Ils ne me touchent plus, on cause rarement et tout. C'est difficile. C'est difficile, tu vois. Et si tu découvres alors, quand tu vas découvrir, parce que c'est qui est sûr, comme tu sais qu'il te trompe, quand tu vas découvrir qu'il te trompe alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, mais déjà, je veux découvrir. Tu vas découvrir? Oui. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu proposes alors qu'on fasse? Tu sais que mon gars, il aime beaucoup les surprises. Ouais. Quand tu dis que tu vas faire une petite surprise là, il est heureux et tout. C'est qui est sûr? Si il dit qu'il y a une surprise, va venir. Il va venir. Oui. Ici maintenant. Là. Oui. Tu connais où il est actuellement? Oui, oui, il est avec ses potes. D'accord, alors ce qu'on va faire, c'est que tu l'appelles alors. D'accord. Et on organise la surprise. D'accord. Tu es sûr que si tu appelles, il va venir ici? Oui, il va venir. D'accord. Il va venir. Appelle ton gars. On attend la famille, j'espère que... En passant, le Cameroun c'est un bang, les gars, les ticos sont déjà disponibles. Cameroun, c'est bien. Ça sonne. Allô? Allô, bébé. C'est comment? Ça va et toi? Ça va. J'ai une surprise pour toi, là. J'ai une surprise pour toi. J'aimerais que tu viennes une me trouver. Oui, j'ai une surprise pour toi. J'aimerais que tu viennes me trouver à l'Opom, là. À l'Opom? À quel niveau, là? Juste vers l'hôpital des sœurs. Au niveau de l'hôpital des sœurs, tu me dis, je viens te chercher. D'accord, j'arrive. Et c'est quoi la surprise déjà? Oh, c'est une surprise. Pourquoi tu es stupide comme ça? Est-ce que je vais te dire? D'accord, tout à l'heure, bébé, tout à l'heure. Ok, tout à l'heure, bisous. Bisous. Ça sent l'amour là! Non, tout ça c'est au téléphone. Je veux voir, je veux fouiller. Ok, la famille, on attend le mec et puis quand il va arriver, just wait and see. D'accord? Oui. On attend ensemble, non? Oui, oui. D'accord. A few moments later. C'est où ici?
Entre. Ah, c'est peut-être que j'ai une surprise pour toi, non? Entre. Je sens quoi? Entre, j'ai une surprise pour toi. Et c'est non, pas c'est que une ça. Surprise. Entre. Une surprise, voilà. Entre. Ah. Vas-y. Ici. Vas-y, c'est chez un ami, assois-toi. Assois-toi. Assois-toi, s'il te plaît. Oh, c'est une surprise. Assois-toi. Je vais te mentir, pourquoi? Déjà la lumière, tu sais, j'ai mal aux yeux. Assois-toi, ça va aller. Assois-toi. Yeah. Assois-toi, c'est une surprise. Bonjour. Bonjour, Josby. C'est comment? Il est là? Oui, c'est lui. Je t'ai dit c'est lui, m'appelle. Salut, mon gars. Tu m'étonnes. Je te trompe comment? Je m'appelle Josby. Ah, tu ne connais pas Josby? Oui. Tu ne connais pas Josby? Josby, je fais des vidéos sur YouTube, micro-trottoir. Et moi, je fais quoi dans les vidéos? Je t'ai dit que les choses là, moi, j'aime pas ça. Je t'ai dit, c'est une surprise. Aujourd'hui, là. Ma femme a décidé de faire. Laisse mon téléphone, c'est ton téléphone, c'est quoi? On va faire un test de fidélité, bébé. Je peux plus accepter que tu me trompes comme ça. Test de fidélité? Oui. Ouais. Je suis désolée. C'est donc, ça, en fait. Attends. Donc, si je comprends, mais c'est toi qui fais les. Oui, c'est moi qui fais les tests de fidélité là. Sur YouTube et tout. C'est toi qui gagne les coupes. Ouais, ouais. Et elle fait quoi chez toi? Vous connaissez où? C'est une amie à moi et puis elle m'a demandé de faire un test avec son mec. Donc. Et moi, tu me fais. Attends. Donc, si je comprends, mais tu m'as fait me déplacer de bon amour, ça dit. Pour arriver ici pour me dire, tu vas me faire les tests de fidélité. Depuis, je t'ai dit, je veux qu'on parle, tu refuses. Assois-toi. Ah, oh, tu as peur de quoi? Je n'ai pas peur, mais je ne fais pas ces histoires-là. Assois-toi. S'il te plaît, on peut commencer. Commencer à faire ça. Donc, mon gars, tu sais quoi? C'est simple. Hein? Les tests de fidélité, tu as l'habitude de voir mes vidéos, non? De voir les vidéos de tests de fidélité sur Internet. Oui. Je ne sais pas si tu as tombé sur mes vidéos, mais c'est simple. Ta meuf, tu lui fais confiance. Oui. Elle te fait confiance, elle ne te fait plus confiance. Donc, prouve-lui alors qu'elle doit te faire confiance. Nerfs, d'abord, il faut calmer tes nerfs. Calme tes nerfs. Donne ton téléphone. Je te donne mon téléphone avec toi. Donne ton téléphone. Donc, ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Pourquoi? Tu te reposes de rien, non? Tu as dit, je ne me trompe pas, non? Mais oui. Donne alors ton téléphone. C'est pour ça que tu m'as fait venir ici. Mais oui. Mais je te laisse avec mon téléphone, je pars, c'est tout. Donne. Donne, mais il faut laisser, bon, tu pars, non? Avec ton téléphone, tu pars si tu veux. Voilà mon téléphone. Déverrouille. Ah, c'est déverrouillé. D'accord. Ah, comment? D'accord. Mon fils a dit. Attends, ton visage a dévoilé mon téléphone. Oui, on commence comment? Ok, alors, est-ce que je vous peux m'asseoir? Quoi? Je peux m'asseoir. On peut s'asseoir, on va d'abord causer. Hein? On peut s'asseoir. Je peux m'asseoir entre vous? Non, assois-toi mieux à côté, ma femme, pourquoi? Saute à côté. Bah, si je dois vérifier, je dois coordonner. Oui, on doit vérifier ensemble. Bon, il n'y a pas de souci, je peux m'asseoir, je peux me placer même là, assis-vous côte à côte, il n'y a pas de souci. Oui. À ton tour, je viendrai vers toi. Oui. Alors, ma grande, tu sais dire comment ça se passe, non? Oui. Ça veut dire que tu vas fouiller le mec de téléphone de ton mec et tu vas voir si te trompe. Je vais sur WhatsApp. Je n'utilise pas le WhatsApp là. Tu n'utilises pas le WhatsApp là comment? J'ai deux WhatsApp, bien sûr. Mais, voilà ça. Il n'y a pas de conversation à l'intérieur. Ou l'autre WhatsApp, non? Oh, c'est là. Donc, bizarre de voir mon téléphone. Face ID. C'est bon. Mais je vois les noms chinois là, c'est qui? Attends, dis-moi un peu, comment se fait-il que ton visage dévoile son téléphone? Non, j'ai juste mis sur son visage, c'est pas comme ça. Non, il y a un truc là. J'ai l'impression que tu as augmenté ton visage sur son Face ID. Ah, c'est la vie. Parce que ton visage a directement dévoilé son téléphone. Oui. Oui, j'ai constaté. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous la vérité. Parce que je ne sais pas que je défends mon bro, tu vois. Tu as dit que tu es conscient et tu es sûr et certain que ton mec te trompe. Oui. C'est la raison pour laquelle tu veux venir l'afficher. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que tu sais déjà qu'il te trompe. Et mais pourquoi elle fait donc ça? Mais parce que je dois savoir. J'ai des doutes dont je dois savoir. Non, pourquoi. Tu sais déjà. Tu es avec lui ou bien tu es avec moi? Non, je ne suis pas avec quelqu'un. Mais le truc, c'est que ton visage, ça veut dire que tu as abouti de fouiller. Et on fouille alors ou quoi? Fouille alors. Le nom chinois là, c'est qui? Bon, tu sais comment ça se passe. On va l'enrichir sur ta bébé. Toutes les filles à qui il écrit bébé. Ouh. Waouh. Ok, baby, il y a une certaine Vera. C'est toi? Non. C'est pas ta Vera. Non. Non. Il te trompe pas, les non. Vera. Il y a aussi Christelle. Beaucoup, hein? Tu es un sorcier. Tu vois que mes doutes étaient fondés, non? Tu m'amuses. Vas-y. Non, ok, peut-être il faut bon, lire. Écoute, il faut lire un peu quelques messages pour que quand j'appelle souvent devant toi, là, il ne parle pas de bébé et tout et tout. Pardon. Pourquoi est-ce que je dis quand tu vois bébé là? Pardon. Tu Pardon. On entre dans Vera donc. Entre dans Vera.
Jusqu'à tu dis que tu vas donner l'argent demain, tu vas prendre l'argent où? Waouh, c'est chaud là, hein? Mon gars, justifie-toi. Hein? Je ne justifie pour quoi? Mais je n'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire, comment? Je n'ai rien à dire. Quel fouille mon téléphone? Mon téléphone va tout lui dire. Tout ça, tu dis, tu vas acheter la marchandise. B. Ouh. Il a réussi B avec le cœur à côté. Et elle dit qu'elle est malade. J'ai un peu le palu. T'inquiète, mon cœur. Ça va aller. Je pense à toi. Tu vois que mes doutes étaient fondés, non? Tes doutes étaient fondés, non? Ces doutes étaient fondés. Mais il y a beaucoup de bébés. Maman, il y a les... Tu sais que moi, je suis d'abord ami avec plus de filles. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Donc, ce qu'elle fait là, elle s'embrouille. Ah, fouille mon téléphone là, tous ces bébés. Il faut calmer tes nerfs. Bon, le truc. Calme-toi. Bon, c'est simple. Hein. Oui. Quand tu vois baby, un contact, tu vois, appelle le numéro. À chaque fois que tu vois, tu appelles. Ouais. Si ça peut te calmer le cœur là. Tu veux, tu appelles. Tu vas appeler, tu veux savoir. Non, ça va, parce que déjà les conversations me disent tout. D'accord, mais ça va, baby. Donc maintenant. Attends un peu. Ouais. Bon, ça va. Hein. On a fouillé mon téléphone. Attends, je vais non, savoir. Attends, j'ai même oublié. On a fouillé là. Débrouille le tien. Pourquoi? Débrouille ton téléphone. Le prince, non, le prince c'était sur toi, c'était pas sur moi. Non, non, ma chérie, pourquoi? Attends. Le prince. Attendez. Attendez. C'est que c'est vice versa. Sinon, les abonnés vont se plaindre. C'est moi qui l'amène ici. Hein. Oui, je sais, non, mais tu as voulu le pranker. Tu as vu exactement. Il est infidèle, comme tu le dis. Il est infidèle. Ça se passe comment? Je suis infidèle. Bah, oui, j'ai passé à appeler. Bon, baby, c'est infidèle. Il y a aussi les gens, les filles à qui tu as dit, je vais te donner ceci, je suis malade. Tu promets ci et ça aux filles. Attends, je ne donne pas ta part. Je ne donne pas ta part. Bon, ma chérie, tu sais quoi? Donne le téléphone. Je donne mon téléphone comment? Mais il faut également qu'il faut, il faut aussi. Non, fouille mon téléphone. Comment? Le prince était pour lui, le prince n'était pas pour moi. Non, attends. C'était pas pour moi. Attends. Attends, ah, tu vas te lever partir. Tu m'as combiné, non? C'est toi qui m'as. Il t'a dit. Tu vas te lever partir. Oui, voici ça. Tu vas te lever partir. Prenez. Voilà mon WhatsApp. Et qui est? Est-ce que je cache quoi? Attends, je vais. Est-ce que je suis comme toi? Je suis pas bordel comme toi. Ok. Ok, bro. Tu as ton WhatsApp. C'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Yo, regarde, mon nom ici. Scott. Et qui? Scott. Scott. Ouais, mais. Ah, sois posé. Mais pourquoi tu as son nom, Scott? C'est pas ton bébé. Ok. Okay. Le cœur il va chercher quoi sur ça ou bien le baby cherche quoi sur ça? Et maintenant le cœur, le baby cherche quoi aussi ici? Pardon, fouille. Scott. Déjà. Scott. Tu peux aller dans la recherche, tu tapes de tous les gens qui ouais. Bébé, tu vois aussi voir. Oh, c'est clean. Hein. C'est clean, gars, y a rien. Hein. Je t'ai dit que c'est clean. Ça va poser. Non, elle est fidèle, gars. C'est bon, non, elle est fidèle. Elle n'est pas fidèle. Attends, laisse. Elle est fidèle. Il y a, je sais pas quoi. Il y a certaines codes là pour taper, pour revoir les messages supprimés, les anciennes conversations. Messages supprimés comment? Laisse ton téléphone, non. Tu touches encore, ça veut frapper au sol. Mais on se voit bien qu'il n'y a pas de message là-bas. Sois posé. Oui, oui, gars. On m'a appelé ici, non? Oui. Donc vous ne me dites pas ce qu'il veut faire. Oh, donc, laisse le téléphone. Tu tapes, tu connais le code. Non, tape. Bon, sois posé. Ah, la femme. Hey, tu es fidèle. Tu as vu quoi? Je ne suis pas bordel. C'est vrai que il y a les messages là-bas, hein, ma grande. Tu n'étais pas en train de dire qu'elle est clean. Moi aussi, je me disais qu'elle était clean, mais voilà qui vient de taper un truc là-bas. Laisse ça vite. Parce que tu peux lire un peu. Attends, il va essayer de lire. Audrey, c'était ton émission, tu as décidé de pranker et ton mec a décidé de contre-attaquer. On va donc voir. Tu penses qu'elle te trompe avec qui? Attends, on va voir. Il y a plusieurs conversations. Supprimer, il y a un message. Je te reprends tout à l'heure. Mais il n'y a pas les noms. Mon idiot de mec vient de rentrer. Je te reprends tout à l'heure. Mon idiot de mec vient de rentrer. Tu me mets ici là-bas, mon cœur. Chez moi, je suis idiot. Dieu. Attends. Il y a quoi? C'est pas toi ici.
C'est lui comment? Laisse ça vite. Regarde, faut pas m'énerver. Essaye encore de toucher ça. Mets encore la main dessus. Bon, mon gars, je pense que le test est... Sois posé. Le temps est fait. On peut arriver. Laisse, je vais te casser. Laisse mon téléphone, non. Tu as fini de regarder ce que tu veux. Ok, c'est bon, toi. Qu'est-ce que tu as vu? Bon, oui, ça peut être moi, mais bon, c'est, bon, c'est mon ami. Tu veux que je regarde quoi? Je n'ai pas demandé. C'est mon ami, on peut discuter de tout et de rien. Mm-hmm. Tu veux qu'il regarde toi? Il y a tes conversations dedans. Oh, laisse. Il y a tes conversations dedans. Laisse le téléphone. Là. Bon, ok, ça va. Tu sais quoi? Un peu. Oh. Un peu sur soi, non? Ouais, oh. Le problème, c'est qu'il mieux qu'on coupe une fois ça. Parce que là, ça vient déjà. Tu filmes ça le cameraman. Attends, vous filmez. Écoute, non, toi, écoute. Oh. Parce que moi, écoute. Déjà. Non, ferme ta bouche. C'est trop long. Tu m'as appelé ici pour quoi? On a coupé. Tu voulais me panquer. On va couper. Non, on ne coupe rien ici. On ne coupe rien ici. Attends. On peut. C'est déjà. Oh. Bon, cameraman, tu peux. On ne coupe rien. Attends, d'abord. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Qu'est-ce qu'il y a vu? Ok, il y a quoi? Ce n'est pas toi ici. Ce n'est pas toi qui dis. On est avec. Sûrement, je sais pas ce qu'il a vu dans le téléphone. Ça, toi, il me dit aussi ce qu'il y a dans le téléphone. Parce que le gars va se fâcher pour rien. Mais je sais que c'est ton ami, mais. Non, le truc, c'est que tu vois, la meuf, c'est ma pote, tu vois. C'est ma pote. C'est vrai qu'à l'époque, on a géré des bails ensemble, tu vois. Mm-hmm. Mais je sais qu'elle est en couple. Peut-être qu'il est tombé sur nos anciens messages. Parce que depuis qu'elle est en couple, c'est ma bestie, gars. C'est ma best combi. Tu vois, alors il allait des anciens peut-être messages, il a tombé sur un message où genre elle et moi on flottait encore ensemble. C'est peut-être c'est ça le problème. Mais les gars, je pense pas que. Mais j'aurais aimé que tu laisses le gars lire les messages. Parce qu'ils vont demander ça en question. Non, le truc c'est que il a. On n'a pas vu les messages. Le truc c'est aussi que c'est que le gars, tu as vu comment il s'est comporté. Le gars m'a fini. Il a failli m'étrangler, gars. Oui, mais dans tous les cas, la famille, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de contacter le mec pour qu'on puisse s'arranger. Parce que je pense que c'est un gros malentendu. Audrey, c'est mon amie. C'est vrai qu'elle et moi, on a flirté une époque ensemble, mais ils n'étaient même pas encore ensemble. Tu vois? Mais maintenant, elle m'a contacté parce qu'elle aimerait mettre les points sur les yeux avec son mec. Mais donc maintenant, il se comporte ainsi. Donc je pense, je crois comprendre pourquoi. Parce que nos messages à l'époque étaient quand même chauds. Donc restez scotchés. Mais les gars, grâce à moi. Gars, monte avec. Quand ça brûle le matin, le soir, en tombant. Ah, c'est ça le goût. Quand je fais semblant de plus la yama. Ah, c'est ça le goût. Quand il dit doucement Kendrick, tu me fais mal. Ah, c'est ça le goût. Quand il dit mon frère, je veux plus de toi. Ah, c'est ça le goût. Ça le goût. Oh, ça le goût. Baby girl, I can't explain the way you make me feel is so strange. Ça le goût. Ça le goût, comme Son Goku. Ça le goût, ma mignonne même quand t'es vexée.